Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de Storage Total War. Je ne sais plus quelle partie c'est, ce n'est pas très grave, ça fait quand même un petit moment que je n'ai plus touché au jeu. Alors je regarde en vitesse où nous en sommes. Voilà, alors Tarbad, les armées, c'est pourri, c'est pas grave. Et là, l'armée principale qui a quand même pas mal morflé suite à l'attaque de Dustin Endil. Si ça se dit comme ça, je ne sais pas. Bon, on va essayer de reformer les rangs. Voilà. Hop hop hop. Là, là, là c'est déjà fait. Et voilà. Bon, comme ça, on a quelques unités reformées. Pour le reste, vous allez en arrière-ligne et vous allez vous reformer gentiment. Il n'y en a pas d'autres? Non, bon bah, allez en Isengard. Ça prend quand même pas mal de temps. Alors, les finances sont dans un état critique. Enfin, vu l'armée que j'ai, c'est un peu normal. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Allez, une armée de gueux en avant. On va essayer de repérer la ville à assiéger. Et on passe le tour. C'est là, voilà. Alors j'espère ne pas avoir trop de problèmes d'enregistrement parce que si je me souviens bien, lors de la dernière vidéo du jeu, ça plantait quand même pas mal de chutes de FPS. Oh, de l'argent! Oh, gentil ça! Il y a quoi là-bas? Ah, ils ont quasiment des balistes. Bon, ok. Là, il y a un chemin. Qui dit chemin dit ville au bout du chemin. Allez hop. Et c'est une sacrée grande région. Hein. Bon, tant pis. On n'est pas encore arrivé. Non, je vais les laisser là. Vous attaquez. Je la fais ou je la fais pas? C'est quand même une petite bataille. Hein, mais bon, au moins, comme ça, on aura. Au moins une bataille durant la partie. Parce qu'une partie où il n'y a que de la gestion, c'est assez chiant. Eh oui, eh oui. Chacun avait un casque forgé trois fois et leurs manches étaient incrustées d'or, mais jamais il n'avait été payé. Il n'avait, c'est pas il n'avait été payé? Bon, français en prend un coup. Il n'avait été payé. Ok, bon, bah. Petite erreur de français de la part des traducteurs, ce n'est pas encore trop grave. C'est malin une petite moustache d'Hitler, ça, Roman. Bon! On s'en fout de leurs discours qui servent à rien. Moi, ce que je veux, c'est me bastonner. Et putain, ils sont tout au bout. J'ai que ça à faire. Et ils vont me pigeonner avec des... leurs balistes. Donc, on fait un rang desserré. Alors, ils ont quoi? Ils ont des orques. Ça va être facilement gérable. Et des petits orques gobelins. Ok. Bon, ce qui m'emmerde, c'est plutôt les balistes. Avec le bel œil de Sauron gravé dessus. Pas mal. Bon, on accélère le temps. Ah, mes troupes vont être crevées avant d'arriver. C'est pas grave, je vais demander à mes archers d'abord pilonner les balistes. Ça laissera le temps à l'infanterie de venir à pied. Enfin, c'est ce que j'espère, hein. Rien ne me permet de savoir si ça va fonctionner ou pas. Voilà, ça commence. Ils vont bientôt tirer. Je suis déjà étonné qu'ils n'aient pas tiré plus tôt quand même. Ah. Deux petits orques tués. Oh, c'est pas encore trop grave. Voilà, ça va commencer. Bon bah ça a l'air d'aller, hein. Il touche des cibles. Bah, vu le nombre de flèches quand même qu'il tire, c'est un peu normal, hein.
Ça, vous êtes lourd, vous, plus vite, allez hop! Non, 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 vous faites quoi là? Wow, c'est là la portée. Me prenez pas pour un con, vous chargez pas au corps à corps, hein, vous êtes des archers. Ah, ils font mal. Ah, ils font très mal. Ah, pas bien. Ok, ben maintenant vous courez, vous chargez. Pas de pitié pour les croissants. Allez, on y va! Vous fuyez, vous fuyez, vous fuyez, vous fuyez, vous fuyez. Allez hop! Saruman en avant. Saruman qui s'est pris un coup de masse dans la gueule. Saruman qui se tape la honte. Saruman qui ne sait pas viser, hein. Tu tapes trop haut, mon grand. Bon, et bien la bataille a l'air de bien commencer pour nous. Hein. Mes troupes roulent sur les ennemis, c'est bien. Par contre, là, les balistes, elles s'éloignent, c'est pas cool ça. Tant pis pour mes archers. S'il faut que vous passiez au corps à corps, vous passerez au corps à corps. Et je veux que vous tirez sur ces foutues balistes. Hop. Ça, c'est pas grave. Vous vous démerdez. S'il faut tirer sur les orques là-bas, vous le tirez. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que mes archers, comme des cons, se font corps à corps. Hein, c'est bien ce que je pensais. Et ils se font laminer. Voilà. Hop. Maintenant, c'est au tour des tirailleurs Snaga de se faire péter la gueule. Si vous pouvez avoir les balistes, ça tombe bien aussi. Hein. La petite copine, là. Ah purée, ils partent vraiment très loin. Hein. Wow, eh, hey, vous tirez sur mes gars là. J'ai bien que vous êtes court, mais quand même. Bon. On n'a pas grand chose d'autre à faire si ce n'est de regarder. Mon dieu que c'est mou! C'est mou! C'est une mollesse! Ah, car... ah, ils sont quand même plus nombreux que ce que je pensais. Bon. Voilà, leur capitaine est mort. Il est dédouné. Il s'est fait pêcheter. Voilà. Non, mais je me fais péter. Mais putain, mais c'est qui tire? Ah, vous arrêtez de tirer là, c'est fini. Il tire ici? Mais là, c'est méga, c'est ici les ennemis, ils sont complètement cons, hein? Sérieux? Eh non, il y aura trop de survivants là, c'est pas bon ça. Non, non, mais poursuivez-les! Mais plus vite que ça, bon idiot! Putain, on dirait une vieille de grand-mère de 80 ans, obèse. Bon non, ça sert à rien, ils sont trop lents. Bon, on a gagné, on est content, on a perdu 88 soldats. Ah, une bataille qui sert à rien, mais au moins c'est une bataille. Et on a encore pu voir l'extraordinaire organisation de mon armée. Ah, je vais les rançonner et c'est accepté, un peu d'argent, ça fait pas de mal. Ouais. Bon, eux ils vont pas en Isengard. Hein. Ils resteront bien en première ligne et tant pis pour eux. Qu'est-ce que je pourrais recruter et construire ici? Tanner, air de troc, hôtel. Ah, Morgoth. Ah, toi, tu sais, petit filou. Hein. Ah, oui, c'est le christianisme, Morgoth.
et boucherie. Et là. Là, il y a communauté agricole. Ouf. Ouais, pourquoi pas, ça augmentera un peu l'économie. Voilà. Voilà, petit tour, petit tour, petit tour. Heureusement que c'est assez rapide dans ce mode. Ah! An honor lord. At once. C'est là-bas. Stopping here. Pom-pom-pom. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Reconvertir? Ah, ça c'est bien. Ça, ce sera pour après. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Vous. Hop. Vous, par ici. Ah! Là. Fond grise. Faux. Ah oui, quand même. Tu te replies. Voilà, on a la ville où elle se trouve. Maintenant, on va pouvoir proposer. Proposer, préparer. Voilà. Préparer l'assaut futur. Et toi, tu fais une heure de troc. Allez, économie, économie. Il faut augmenter notre économie qui est vraiment très très mauvaise. Voilà. Bon. Plus vite que ça. Là. Tarbat Sud, ça donne quoi? Ouais, c'est déjà ça. Pas grand chose. T'as une voix de psychopathe. Yes. Voilà. You bring a proposition for my king. Do not think our people that is all. Voilà, on fait du commerce avec les mordeurs. Après les avoir trahis, c'est toujours très logique. I would if I could. Bon, je regarderai plus tard si je peux pas faire autre chose. Mais là, j'ai préféré jouer la sûreté pour pouvoir réussir ma mission et avoir les 500 pièces d'or. Qui me permettra de construire une petite. Il n'y a que des boucheries, voilà. J'ai pas beaucoup de choix. Bon, bah, on va faire une petite boucherie à Biring. Bon, qu'est-ce qu'ils font, eux? Et on attend. Et voilà. Bon. Ouais, pas grand chose à faire, hein. Et au fric, c'est toujours la dèche. Là, ça ne s'arrange pas. Qu'est-ce que je pourrais avoir de Berserker dans 5 tours? Qu'est-ce que c'est lent? C'est la boucherie. On va construire des boucheries, c'est tout ce que je peux faire actuellement. Construisons des boucheries pour que nos orques puissent avoir beaucoup de viande. Et on va tuer des putains de moutons à la con qui se baladent sur la carte. Arad, où se trouve la... At your service, my lord. Est-ce que tu peux faire Is autre there chose avec something I eux? can do for you? Exigeant. Bah non, on peut rien faire de vraiment Farewell to you. utile. Hop. Without question, my lord. Tu vas là, toi. Continuing tomorrow. Là 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 là. Là, c'est tout à fait pourri. Ah ah. Toi, je te recrute. T'es plus près que les hangars pour m'envoyer des orokai. Et tu peux m'envoyer des orokai. Donc, je t'aime bien. Donc, tu vas m'envoyer des orokai. Ah ah. Mais oui, ça c'est cool ça. Et ça coûte combien tes nouvelles casernes? Ouais, c'est pas celui qu'il faut regarder. C'est ici à Nizorgar. Pourquoi pas, mais je doute que je pourrais réunir autant d'argent avec mon économie actuelle. 6 400, ça me paraît un peu beaucoup. Bon, je peux rien faire d'autre. Ok, il arrive à Rondur. Et il va pouvoir bientôt faire des négociations qui me rapporteront un peu d'argent. Je crois que je vais peut-être quand même économiser pour pouvoir Yes, my lord.
There is something you wish to speak of. I accept. Cool. Our discussions come to a close. Ouais, c'est tout pourri là, je perds plus d'argent que je n'en gagne. Eh, c'est complètement con. Eh, c'est pas pratique ça. Je vais faire quoi? Non, vous allez là. Moi, je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir mener l'assaut sur cette petite ville toute pourrie. Et je vais demander que l'armée ici envoie également des troupes. Ça devrait suffire. Voilà. Bon, là, niveau garnison, c'est le moyen. Ça ira là. Ah. Un général. Allez, je t'envoie en même temps des gueux. Allez, hop, les gueux et le général. Vous êtes à Tarban Nord, en garnison de première ligne, au cas où. Ici. Ici, je peux les renvoyer au combat, quand même. Voilà, voilà. Voilà. Ça fait quand même belle armée, hein. Quoique les pilleurs, c'est complètement des trucs complètement nazes, hein. Ils servent pas à grand chose si ce n'est de se faire tuer. Bon. Qu'est-ce qu'ils foutent? Eh, ils sont sérieux là, ils sont tout seuls et ils essaient de m'attaquer. Il est grand temps d'agrandir notre empire. Bah, c'est justement ce que je voulais faire, c'est très gentil de ta part, de proposer en plus un bonus de 1500 pièces d'or. Et Shanap. Ah, il a une gueule de vainqueur lui, il dira un vieux sans dents. Fait gueule. Et Saruman fait: tu n'auras pas mon bâton. Mon bâton il est à moi. C'est mon bâton. Bon. C'est plus sûr. J'ai pas tué le général, mais au moins j'ai perdu mon dame. Ok. Ah mais non, mais mon argent. Mais c'est pas du jeu. Vous retournez là-bas. Ah bah c'est pas du jeu ça, si on peut autant qu'on ressort en armée. C'est quoi ces conneries? Bah je pourrais jamais économiser. J'ai plus de fric. C'est la banqueroute, c'est la crise. Je ne comprends pas trop ça, quoi il joue là. Mouais. C'est un peu louche. Hop, tu vas là. Toi, tu vas là. Faut être sûr. Assaut. Et Saruman, il est où? Pourquoi Saruman, il vient pas? Ah! Bah, j'ai bien fait de faire ça, finalement. J'aurais perdu beaucoup plus d'hommes si je n'avais pas battu, si je n'avais pas fait la résolution automatique. Alors, oui, on va être raté une belle bataille. Néanmoins, je viens de sauver pas mal d'hommes. Donc, de l'argent que je n'aurais pas usé lors de la reconstitution. Bon. Get ready for fighting. Oh! Ouah! Ah, mon économie elle augmente, c'est cool. Par contre, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah oui, économiser. Les territoires de l'Isangar augmentent et grandissent et grandissent et grandissent, mais on n'a pas forcément plus de fric. Ah, lui aussi, il a une gueule de vainqueur. Chaglir, l'orque au gros pif. T'es intéressant, mon grand, mais je suis pas sûr d'avoir de l'argent pour toi. Ah, oh, putain, ça va pas, là. 400. Ok. Bon. Ça va jamais aller à cette vitesse-là. Oh, des berserkers.
Ah, 250, hein, non. Là, c'est quoi? Forgeron, communauté agricole, je vais faire ça. Tant pis pour la caserne, moi ce qui compte, c'est d'augmenter mon économie. Je n'ai pas trop le choix, de toute façon. Ok, là, qu'est-ce que je peux faire? Une boucherie, tiens donc, comme c'est original. C'est vraiment pourri là. Et je peux rien faire, il y a trop à voir et ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien ce que je vais te faire en fait. Bon, je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas pourquoi je peux pas recruter des unités dans cette ville là. Peut-être un bug, je ne sais pas, ou c'est moi qui ai oublié un truc du jeu. Ok. Qu'est-ce que je peux faire là? Je peux faire un tanner ou un hôtel de Morgoth. Eh bien, on va faire un hôtel de Morgoth parce que il faut propager la parole du Christ. Amen. J'ai toujours su qu'il y avait un truc de louche derrière le christianisme. Putain, c'est galère. Mais je perds encore de l'argent ou quoi? Non. Alors là c'est quoi? Ils sont les méchants. Là c'est les elfes. Là c'est les Dunedain. Là vous direz les Rohirrim. Qu'est-ce qu'ils foutent là les Rohirrim? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Bon je ne sais pas trop. Je ne peux pas faire grand chose, je passe encore le tour, je n'ai que ça à foutre de ma vie. Faire des tours et des ratours, tourner encore et encore, regarder des défilés, des trucs qui servent à rien. Et tu me cherches misère toi, c'est quoi ça? Tu me fais peur, hein, c'est ça? T'as une unité à la con et tu crois me faire peur? Get ready for fighting. C'est pas vraiment ce que j'ai voulu faire, mais au moins ça ferait un second petit combat, et là je veux la tête de ce général gobelin. On s'en fout. Les armées, c'est bien beau tout ça. Et là, on a affaire à une petite... petit contingent d'ennemis complètement... Ça a l'air quand même assez stylé et bien armé, hein. Alors moi je propose que ce soit mes généraux, oh la honte, mes généraux qui se battent contre général ennemi, voilà. Qu'est-ce qu'ils foutent? Mais où est-ce que vous allez là? Eh, hey, j'ai pas fait ça pour vous voir fuir. Ah, voilà. Ah, le combat épique. Entre les hommes et les ourouks et les gobelins et les gueux. N'oublions pas les gueux, mes amis. Ah non 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 non, ça rame, oula ça rame. C'est le jeu qui fait ça, c'est pas Fraps. Quoique. Ouh. Où ça rame? Où ça déconne? Où je comprends pas ce qui se passe. Et là ça va mieux? Ouais bof non. Ah si, ça va un peu mieux là, ça va. Espérons que ça reste comme ça. Non. Fraps n'a pas l'air d'aimer beaucoup le jeu. Hein. Bon, je ne bouge plus, dès que je bouge, il déconne. Bon, la bataille fait rage, on dirait qu'on gagne sacrément vite. Ah, carrément, comme ça.
Non, je veux la tête du général. Voilà, là je suis content. Ils feront moi les marioles. C'est qui j'ai tué? J'ai tué le Noog. Le Noog que je ne connais pas et tout qui déconne, comme d'habitude. Arrêtez, arrêtez de déconner, arrêtez. Je peux pas quitter? Pourquoi est-ce que je ne peux pas quitter? Parce qu'il voulait le faire lui-même, d'accord. D'accord, d'accord, je ne comprends pas toujours tout. On va les exécuter parce que je ne veux aucun survivant. Ils sont tous morts. Ok. Bon, je ne sais plus trop quoi faire, je n'ai plus d'ennemis à combattre, du moins pas à ma portée. Rapport sur les relations. Eh, mais non, mais pourquoi ça se dégrade? Eh, je suis gentil avec eux. Ah non! Ouais, ils se foutent de qui? Ah non, 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 non! 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 Pas vrai! Ouais, c'est pas du jeu, ça! Bon, je construis un peu tout et n'importe quoi, tout ce que je peux construire avec l'argent que j'ai, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est une partie un peu gestion pourrie. Très pourrie, même. Et une boucherie, tiens donc. Allez, faisons la boucherie. Car il faut de la viande, car c'est bon la viande. C'est très bon. Quoique c'est de moins en moins bon à notre époque, mais c'est quand même très bon. Ah, là je préfère. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien, je peux faire ça. Le 3 orques plus haut, là on s'en fout un peu, ça sert à rien. Il faut développer l'Isengard. Car c'est quand même notre capitale, et si les hangars tombent, eh bien ça fait pas mal de stupidité, de crétinerie, et de... Oh non, mais c'est complètement con, ils hangars sans ils hangars! Ce n'est plus les hangars! C'est Saruman Land. Bon, à part dire des conneries, qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. Bon, l'économie augmente très légèrement. Je suis passé de 440 à 539. C'est vraiment tout moisi, tout pourri. Il faudra peut-être franchement que je pense à virer des gens. Ah, écoute, la peau du cul, hein. Bon, vous vous dégagez. Vous, franchement, allez vous faire foutre. Voilà. Voilà, là ça va beaucoup mieux. J'aurais dû faire ça avant. Toi. Allez vous faire voir les gueux. Trop de gueux de l'armée, ça tue un peu le... Comment dire? Le prestige. Voilà. Et je gagnerai... Ouais, quand même. On va pouvoir développer notre communauté beaucoup plus vite. Alors je sens que je ne vais pas déclarer la guerre à quelqu'un parce que je... ça pue franchement avec le Gondor et le Rohan. Je sens que eux vont m'attaquer bientôt. Et ça ne m'arrange pas vraiment. Ah, ça me tente, ça me tente. Bon, je recruterai des berserkers dès que... Dès qu'on sera en guerre. Là, ça donne quoi? Non, je vais économiser pour construire la caserne. Voilà. J'ai profité de faire un peu plus de revenus. Voilà, on va faire que ça. Ah, que c'est passionnant! Eh oui, les Total War, c'est pas toujours du combat. Parfois, il y a une phase un peu gestion qui peut se limiter à appuyer sur un bouton et regarder des bannières défiler. Là, ça suffit pas, je pense. Hein. Presque, mais non. Et là, c'est quoi? Non, ce sera au prochain tour. J'espère qu'en construisant cette caserne-là, je pourrai avoir plus vite des unités recrutables.
Oh! Oh mon Dieu, c'est gentil! Merci beaucoup. Et là, je vais faire fabricant d'arc. Bon, bah, on va faire le fabricant d'arc, voilà. Qu'est-ce que je peux construire avec 800? Là. Je ne peux rien faire. Là. Je ne peux rien faire. Là non plus. Là. Je ne peux rien faire. Et là, je ne peux rien faire. Ok, bon, on a compris. Ah oui. D'accord. Bon, là, je vais quand même reconstruire le trou à orques à la con, là, voilà. Ce sera fait. Aya Gandalf. Ah, ça pue, ça, Aya Gandalf. Pourquoi est-ce qu'il y a Gandalf? I am a warrior, not an emissary, my lord. There is healthy respect between us, my lord. Il a la tête de I Bilbon, là, am a warrior, Gandalf, avec not une an grande barbe emissary. grise et des sortes de comme portent les juifs, là, les trucs qui tournent là, sur le côté. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Trou à orques. Tiens donc, offrir des trous à orques. Par contre, le fait que Gandalf s'approche, ça sent la guerre. Ouais, ça pue. Ça pue, ça pue. Et vous allez là. Ah ouais, mais là ça pue beaucoup là. Ah non, 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 non. Et je sais pas que si j'ai malheur de désorganiser fond grise, je perds tout. Bon, il y a peut-être un peu trop de généraux quand même là. Je vais demander à Saruman et l'autre crétin de Gueux à s'approcher. Voilà, toi tu vas à Tarbad. Mouais. Mouais. Pour des berserkers. Là, 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 là. Là. Allez, vous allez à Tarbad. Hop! Là, vraiment, on peut rien faire, non? Alors la population démographique, la croissance démographique augmente de 1% et il faudra, je sais pas combien pour pouvoir l'agrandir, tant pis. Là, pareil. Ici, ça sert à rien. Là, il y a toujours rien du tout, rien que ça, bah oui. Bon, bah on peut pas faire grand-chose d'autre, hein. Voilà, je le savais. Gandalf, t'as trop du cul. Ah, je t'aime pas Gandalf là. Ah là, le vieux là qui se veut gentil, là, le vieux qui se dit plein de sagesse, hein. Ah ouais. Ouais. Le dévouement et la loyauté envers le seigneur noir sont inébranlables, et les seigneurs de tous les royaumes du mal doivent s'incliner devant leur maître. L'influence de Sauron ne cesse de croître, et il peut désormais appeler ses vassaux à l'invasion des terres libres, si telle est sa volonté. Le souci, vas-tu, Sauron, c'est que j'ai arrêté mon alliance avec toi. Donc, je ne sais pas si je t'obéirai. Mais vu le trou du cul de Gandalf, par pure vengeance, je pense que ce serait quand même sacrément tentant. Je l'accorde. Allez, on va reformer les gueux là. Hop. Allez. Bon, là je vais prendre toutes les unités qui sont endommagées. Et les envoyer au front. Avec Saruman, voilà. Ça pue, ça pue, ça pue. Je crois que j'ai perdu Tarbad Nord, hein. I respect you, my enemy. Ah ouais, ben non, c'est pas du jeu ça. Get ready for fighting. Ah, c'est pourri. Non, ça, je veux dire ça. Comme garde d'Isengard. Ah! Ah! Mais il joue à quoi là? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Espion. S'en fout de l'espion, ça sert à rien. Quel est le but de tout ça? Il sert à rien ce trou. Il sert à rien du tout. Hein?
Ouais, tour de guet. Objectif complet. Tat, il va là parce que je sens que l'Eriador va attaquer Tarbador. Mais maintenant que le fond gris, fond gris est désorganisé, je crois que je vais devoir recruter des troupes. Ah là là. Listen up. Come on. We have complete sleep in here. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Là, je peux faire quoi? Baliste, agricole, temple de Morgoth, donjon, ça fait quoi? Bon, espion, on s'en fout. Maison de garde, diplomate, bonus soi. Bon, bah, on va faire l'agriculture. Là, il y a quoi faire? Il y a rien. Et là, il n'y a rien du tout non plus, je pense. Et bien sûr, il n'y a rien du tout. Ah non, mais c'est un connard, Gandalf! Eh putain, mais c'est quoi cette armée de malades mentaux qui arrive? Eh, je vais pas perdre Saruman, parce que si je l'envoie dans une ville et que la ville tombe, ben avec Saruman, il est mort. Hein. Je suis pas complètement con. Alors, bah le gueux, je m'en fous, mais Saruman, toi, tu vas à Tarba de Sud. Hein. Voilà. Je préfère. Que faire? Ah, eh bien, je n'ai pas trop le choix. Hein. Je n'ai vraiment pas trop le choix. Là, il faut que je recrute. Voilà. Bon, Gandalf, tu fais chier, toi. Tu viens, tu pars. Toi, tu sais pas trop quoi faire non plus, hein, t'hésites. Ok, le riadeur a l'air un peu con. L'anneau unique a été localisé. De nouvelles urgences, monseigneur, nos espions ont rapporté que le maître anneau de Sauron était détenu par un général à Hobbitpur. Ah oui, c'est Frodon. Si vous voulez vous emparer de l'anneau unique, envoyez immédiatement un général et vos forces pour conquérir cette communauté avant que l'anneau unique ne soit de nouveau perdu. Oui, et où se trouve-t-il? Tout au bout, voilà, mais je ne peux pas aller là-bas. C'est une perte de temps. C'est des Anglais, les soldats de Bray? Ils ont des têtes d'Anglais. Bon. Alors, toujours rien, hein. Toi, tu vas là. Tête des archers en plus. Ouais, elle est désarchée. Elle est à part renfort, vous. On a besoin de troupes sur le front. Non, on sait jamais ce qui peut arriver de par là. Là, je suis même pas sûr de savoir tenir la ville si jamais on est attaqué. Donc, bon, bah. Et là, on va faire un forgeron. Bah oui. On peut faire que ça de toute façon. Wop, c'est quoi ça? Le seigneur noir de Mordor a ordonné une évasion, il a fait la gna. Et Doras. Oh putain! Non. Bon, je couperai la. Ouais, je préfère pas parce qu'il y a quand même une petite musique derrière. Et j'ai peur qu'il me casse les pieds avec la musique qu'il y avait derrière. Car oui, le robot YouTube est assez chiant. Je ne fais que le raconter. Mais il est extrêmement chiant. Voilà. J'ai encore une place pour quelqu'un. Toi, tu serais bien là-bas derrière. Toi, tu serais bien là-bas devant. Toi, tu serais bien finalement dans. Voilà. Alors, toi, tu vas te reformer, ce sera mieux aussi. Là, il n'y a rien à faire. Là. Allez, là, vous allez vous reformer également. Allez, hop. Ce serait vraiment malvenu qu'on vienne m'attaquer maintenant.
Alors, avec 1800, qu'est-ce que je peux faire? Avec 1800, je peux faire une maison de garde. Eh bien, on va faire la maison de garde. Édolas! Et si je n'obéissais pas, et d'ailleurs je pense que je vais pas obéir, je n'attaquerai pas Edoras. Parce que ce sont mes alliés, et voilà. Même si on ne s'aime pas, ce sont nos alliés. Voilà. D'accord. Ouais, bien sûr. Bon les gueux là, vous êtes vraiment pas assez nombreux, vous vous barrez. Vous allez là. Ok. Ok. Bon, ça fait facilement 40 minutes que je suis en train de tourner. Je pense que je vais vous laisser. Avec l'armée qui se barre là. Bon, ils savent vraiment pas quoi faire. Alors toi tu vas faire ça pour eux là. Là ça se barre. Vous et vous. En première ligne, allez hop. Là, est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, là et là. Là, toujours rien. Ici. Oh ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh oui, 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 oui. Oh oui, 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 oui. De l'infanterie Ulukoi. Ah, voilà. Ça fait un petit trou dans les finances, mais c'est pas trop grave. Là, c'est toujours pareil. Ça ne sert à rien. Ici, pareil. Bon. Je vais vous laisser pour cet épisode. On se retrouve très bientôt sur moi pour South Park. Voilà, parce que je compte bien finir ce jeu, mais il dure plus longtemps que prévu. Voilà. Alors, à la fin de South Park, je commencerai sûrement un autre let's play, tout en continuant ceux déjà en cours, de temps en temps. Hein. Vous savez très bien que les vidéos sur certains let's play prennent pas mal de temps à arriver, et je m'en excuse. Comme par exemple les vidéos sur Twitch. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, et à lâcher ce que vous voulez. Pouce rouge, pouce bleu, peu importe, des commentaires, peu importe, je ne sais pas, ce que vous voulez. Je vous aime, je vous adore, je vous fais plein de poutou, plein de cala partout, et Sarah, merde. J'arrête de bouger, mais il a pas l'air d'apprécier ça. Voilà, ça se stabilise. Et je vous laisse, voilà, pour cette fin de vidéo, ça se stabilise, c'est génial. Et la prochaine fois, je sens qu'on va devoir se fricoter avec les Eriador. Voilà, allez, salut à tous.